Alors, Madame Dati, ce, ce forum du Cross Montana de, de Darla, c'est que la deuxième édition. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça va plutôt dans le bon sens Moi, je dis toujours que les lieux de débat, les lieux d'échange, ça va toujours dans le bon sens. Et en plus, quand c'est fait, de, ça part d'une bonne intention, ça va forcément dans, dans le bon sens. Les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui vont dans le sens de l'histoire sécurité énergétique, lutte contre les inégalités, la jeunesse, la place des femmes, euh, et tout ça placé. Dans, euh, au Maroc, placé euh, dans les provinces du Sud, une ville comme Darla, qui est le trait d'union euh, entre le Maroc, l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Afrique subsaharienne, tout ça a un sens. Parler avec l'autre, s'ouvrir sur les autres, s'ouvrir sur le monde, euh, regarder ce qui se passe chez son voisin, je trouve ça plutôt bien. Beaucoup de gens nous disent ici euh, ce forum du Transmontana à Darla, il est un petit peu différent des autres. Les échanges sont moins formels. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, vous euh, bah, quand vous venez dans des forums comme ceux-ci, bah, vous vous rendez compte qu'il y a des bonnes volontés partout, Et des bonnes volontés politiques, des bonnes volontés de la société civile, euh, il y a un, un panel sur les femmes. Euh, les femmes ont un rôle. Dans, dans le développement ont un rôle pour favoriser les coopérations. Regardez, vos panels, plus de 50% euh, sont, sont composés de femmes, et des femmes éminentes, et des femmes compétentes, et des femmes qui ont des responsabilités. Alors c'est vrai que leurs voix doivent être un peu plus entendues. Et, euh, et ça, un forum, vous, vous avez une responsabilité en ce sens, c'est de faire entendre leur voix, porter la parole de ces femmes qui se battent, qui se battent, qui se battent, et qui se battent avec succès, mais elles, 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 elles mènent des guerres tous les jours, pour gagner des petites étapes, des petites batailles. Mais la succession de toutes ces petites, ces petites batailles leur feront gagner à un moment donné la vraie guerre, qui est celle de l'égalité. En plus, vous savez, moi j'ai découvert Dakhla il n'y a pas très longtemps. Les femmes de ces provinces du Sud sont tout à fait particulières. D'abord, ce sont des femmes très libres. Ici, c'est le matriarcat. Donc moi, j'ai assisté à des réunions politiques. J'ai découvert mais des femmes totalement désinhibées, assumant une liberté de vie, assez exceptionnel et assez rare. Et j'ai trouvé que, justement, sur le panel, vous devriez le les, les, les valoriser. Une liberté de vie. Elles font ce qu'elles veulent de leur vie et personne n'a de droit sur elles. Je trouve ça assez extraordinaire. Et donc, je trouve que ces femmes sont porteuses d'espoir. Justement, votre forum permet de, euh, permet de mettre en lumière ces femmes-là dans une liberté totale. Je trouve ça plutôt bien. Vous avez l'air tellement enthousiaste, on serait étonné de ne pas vous revoir l'année prochaine ici. Moi, je serais ravie. Moi, d'abord, j'aime le Maroc, j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il incarne. Euh, vous savez, moi, j'ai un aspect, j'ai un côté un peu traditionnaliste, et puis aussi euh, très ouvert sur le monde et la modernité. Je trouve que le Maroc, c'est tellement ça. C'est des traditions, une civilisation. Mais aussi une modernité, une ouverture sur le monde. Et, et je trouve qu'au contraire, c'est pour ça qu'il faut soutenir le Maroc dans ce sens-là. Ces provinces du Sud sont très particulières et je peux vous dire que vous serez un témoin de l'histoire parce que ces provinces seront le hub du développement de l'Afrique subsaharienne qui, est en ce moment, n'est pas dans un bon état, croyez-moi.